Donc, vous êtes à Château-Renard. Je suis agriculteur sur une exploitation qui est familiale depuis plusieurs générations. Et je me suis installé en 1985 comme jeune agriculteur. On a essayé de faire un petit stand la première année, et puis il se trouve que le petit stand de 2 mètres, il a fait 2 mètres, puis 3 mètres, puis 4 mètres, et puis on y prend goût, le contact avec les gens, on ne l'avait pas avant, il est super agréable, on a une bonne clientèle qu'on ne connaissait pas, et l'envie c'est de vivre plus de ça, de cette vente à la ferme, de vivre plus de ça, quoi, de faire des produits qui ne soient pas en plastique, qui ne soient pas esthétiquement magnifiques, mais qui soient bons, qui soient sains, et dont on peut vendre confiance, même on peut faire manger à ses propres enfants, à des amis, sans aucune inquiétude, parce qu'on sait ce qu'on fait. Quoi. Les avantages de cette vente en direct, c'est qu'on peut vous apporter la fraîcheur. On n'est pas obligé de ramasser des palettes, une culture en une seule fois. À mesure que les besoins le demandent, on vient récolter, on arrive à notre petit panier. C'est comme si on avait un grand jardin, un grand potager, avec toute la passion qu'il peut y avoir dessus. Donc les clients, je pense qu'ils attendent beaucoup, beaucoup de confiance. Ils veulent nous faire confiance, mais il ne faut pas les trahir. Ça, c'est quelque chose de très, très important maintenant, de la convivialité. Ils sont pressés, ils viennent, ils repartent. Ils ne sont pas pressés, ils se posent 5 minutes. C'est quelque chose de très important pour eux. Et puis, tout ce qui va avec, rétablir un peu un commerce de proximité comme il y avait avant, échanger des recettes de cuisine, échanger plein de petites choses qui n'existent plus dans les magasins. Et on essaie de faire des paniers maintenant. Les paniers sont bien pour nous parce que c'est le complément de notre vente au détail. On peut mettre dans le panier la composition un petit peu d'une semaine sur l'autre qui nous arrange le plus en fonction des points de production sur certains produits. Ce qui fait comme ça, on gaspille beaucoup moins de marchandises. Et on va essayer de développer les paniers de plus en plus. Essayer de développer, mais inciter les gens à venir les prendre pour qu'ils puissent prendre en même temps ce qui n'est pas forcément dans le panier, mais qui peut les séduire sur notre stand. Les clients nous disaient, plutôt que d'aller prendre ailleurs, si vous aviez un peu plus de produits, un peu plus de choix à nous proposer, ça nous intéresserait, quoi. Donc là, on a rajouté en ce moment une gamme de produits bio, avec une société de Château-Renard, ou des producteurs bio qui vont vouloir travailler avec nous, parce que ça peut évoluer tout le temps. Du fromage de chèvre local de Château-Renard, de la viande qui vient de Haute-Loire, de la viande de plein air de Haute-Loire, avec un éleveur qui vient une fois par mois. Et on va peut-être faire un dépôt de vin avec un producteur de Roquemort qui fait du Lirac. Voilà. Nos jours, c'est de faire une agriculture qui soit responsable. On utilise plus de désherbants, on utilise du fumier autant de fois qu'on en trouve un fumeur de fond. On ne met pas d'engrais systématiquement, mais on met l'engrais si la plante en a besoin. On ne traite pas s'il y a une apparition d'insectes, mais on attend que la population d'insectes soit trop importante pour voir si on ne peut pas faire autrement. Donc on utilise de la lutte enterrée, des lâchers d'insectes sur toute l'exploitation. S'il y a un petit foyer de pucerons, on va d'abord enlever le foyer de pucerons manuellement, c'est facile à faire, plutôt que d'avoir à traiter un traitement généralisé sur toute la surface de la parcelle, c'est pas ce qu'on fait, quoi. Et tout doucement, la nature prend le dessus, l'équilibre se fait, les insectes qu'on a lâchés l'année dernière continuent à être présents sur l'exploitation, et c'est un équilibre biologique qui est en train de prendre place, quoi.